voir les Français revenir un peu à la raison et vouloir se faire vacciner. Je trouve ça formidable parce que, en gros, la chose est très simple, c'est ou le confinement ou la vaccination. L'idée d'avoir un passeport sanitaire, je trouve étonnant qu'un certain nombre de gens, ceux qui sont souvent très répressifs et contre la racaille, etc., se comportent comme des racailles en disant pas de masque, je songe à Philippe ou à des gens comme ça, qui ont activé d'ailleurs une campagne contre moi sur le net quand j'ai fait savoir effectivement que j'étais pour le pass sanitaire, en disant mais vous avez bien sûr le droit de contaminer les gens, il n'y a aucun problème, vous pouvez aussi quand vous avez le sida avoir des rapports sexuels avec des gens non protégés, c'est un droit, allez-y, et estimer que effectivement vous avez une jeune fille qui vous plaît, vous avez le droit de la violer, mais cette façon de concevoir que le droit de nuire est un droit, me sidère. Moi je suis vacciné, je veux bien qu'il y ait un pass, ça me paraît normal, vous voulez pas être vacciné, pas de problème. Vous avez le droit de ne pas être vacciné, mais vous n'allez pas avoir le droit de contaminer les autres. Donc oui, bien sûr, il y a des choses que vous n'aurez pas le droit de faire. Il faut vacciner massivement, c'est-à-dire c'est nuit et jour, c'est non-stop.